Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine, comme je le disais la semaine dernière dans le vlog précédent, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez peut-être le voir en priorité. On avait des choses à faire hier, donc on n'a rien filmé, etc. Et là, on part direction le Cantal. Donc sur les premiers jours, on va surtout faire beaucoup de routes. On ne va pas tout faire d'une traite, on va s'arrêter, je pense on va faire ça en deux, peut-être trois jours max. Donc là, on va rouler jusqu'à ce que j'en ai marre de conduire. Comme ça, on se posera et on reprendra demain. Et après, on restera, je pense, dans le Cantal pour vraiment pouvoir profiter et explorer au minimum 3 semaines. Donc c'est parti, let's go! C'est l'heure de la petite pause pipi pour les chiens. Ça fait 2 heures qu'on roule, donc il faut leur faire une petite pause quand même. On a trouvé sur la route un point d'eau gratuit, du coup on en profite. Mais quand on est arrivé, c'est mieux de pleuvoir. Donc il faut faire ça sous la flotte. Donc, comme ça on aura de l'eau. Ouh, le débit a l'air bien là. Hein? Ah ouais, il y a du débit là. Ça y est. On a trouvé notre spot pour la nuit au milieu de nulle part, dans les champs. On a sorti la veste, hein, parce qu'il commence à faire un peu frisqué, on n'est plus dans le sud. Hein. Pour trouver le spot, du coup, on a un peu tourné quand même, parce qu'on est dans les champs et j'osais pas me mettre à certains endroits. Linda, elle me disait d'y aller, moi j'étais pas trop fan. Du coup, on a trouvé un petit chemin entre deux champs où là, on gêne personne. Et là, on est bien. Donc maintenant, on va en profiter d'être posé, il est à peu près 4h30. Pour faire un peu de rangement et gérer un ou deux petits trucs qu'on doit gérer au niveau de ça, un prélèvement, des trucs comme ça. Et puis après, on se posera tranquille. L'avantage du van, c'est qu'en 10 minutes, on a fait tout le rangement, tout le nettoyage et tout. Maintenant, on est tranquille. Du coup, en termes de répartition sur le quotidien, c'est beaucoup plus moi qui fais à manger, pour la simple et bonne raison que c'est Julien qui fait beaucoup plus la vaisselle, parce qu'il est beaucoup plus regardant sur la consommation de l'eau, et que ça m'énerve quand je fais la vaisselle et qu'il me dit tout le temps de faire attention à l'eau, faire attention à l'eau. Du coup, on s'est mis d'accord là-dessus que moi, je vais m'occuper de faire à manger et lui, il fera la vaisselle. Comme ça, ça évite les conflits. 9h du mat, c'est parti, on reprend la route direction le Cantal. On y sera dans la journée et après on verra sur place où est-ce qu'on va exactement. Il y a des vaches. Ouais. Petite pause sur le trajet, on s'est arrêté au viaduc de Garabit Eiffel, qui est juste derrière nous. Pour ceux qui voudraient plus d'informations sur tous les lieux qu'on va voir pendant les vlogs, on va vous faire une vidéo dédiée à la fin, quand on aura fini, sur le Cantal, où là vous aurez toutes les informations. Donc ça sera l'occasion d'aller la voir. Bon, du coup, on a trouvé le spot pour ce soir, avec une toute petite vue sur le viaduc. Si là on n'est pas bien, franchement, compliqué de faire mieux. On va en profiter de cette pause très tôt aujourd'hui, moi j'ai des petites bricoles électriques à regarder. Un petit bouton on-off pour le frigo, des bêtises comme ça à faire. Du coup, ce que je voudrais faire, ça serait installer un petit bouton comme celui-là, le mettre par là, là, pour pouvoir allumer et éteindre le frigo pour l'hiver, pour baisser la consommation, parce que ça ne consomme pas énormément, mais si je peux le couper, ça serait encore mieux, parce que du coup, il ne consommerait pas du tout. Donc pour ça, je vais débrancher le frigo, je vais le sortir et je vais tirer les câbles derrière. Du coup, ce que j'ai à faire, c'est juste installer l'interrupteur sur ces wagons là pour que ça fasse le on-off du frigo. Donc rien de bien compliqué. Voilà, le montage est fait. Donc ça fonctionne. Et si je fais, donc là, il n'y a pas de lumière. Ici non plus. Là, clac. Et là, il y a la lumière. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir le positionner par ici. Voilà. Le bouton est à sa place, on pourra gérer l'allumage du frigo maintenant pour le couper la nuit. Maintenant que le frigo est branché, je vais m'attaquer à mettre en place l'alarme. Donc c'est un truc comme ça,
avec la notice, tout le bazar. Faut que je regarde comment ça fonctionne. J'ai déjà retiré quelques caches et le cache batterie. J'ai tout mis sur le côté. Donc je vais me plonger dans la notice et je vais essayer de mettre ça en place. Bon, déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je trouve un emplacement pour accrocher ça à 1 mètre de la batterie pour pouvoir tout raccorder. Donc, on va déjà regarder ça. Ben voilà, j'ai trouvé l'emplacement nickel. C'est sur une petite attache comme celle-ci là, au niveau du réservoir qui est juste à côté. Et là, c'est le bac de batterie, donc je suis juste à côté. Et j'ai passé les câbles par le trou qui est ici, qui était déjà dessus. Du coup, voilà, j'ai les câbles qui sortent là. Donc, il faut que je mette le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et qu'ensuite, je regarde comment on branche les autres systèmes, donc les systèmes au niveau des portes, pour que ça déclenche l'alarme. J'ai passé la fin de l'après-midi à me battre pour essayer de faire un branchement au niveau de l'alarme. Et je crois que normalement, c'est réussi. Donc, normalement, on a l'alarme qui fonctionne au niveau du plafonnier à l'intérieur. Il ne manquera plus qu'à mettre des connecteurs au niveau des fenêtres pour si jamais il y a quelqu'un qui vient rentrer par là. Et on sera tout bon au niveau de l'alarme. Maintenant, je vais ranger tout mon bordel et je pense qu'après, on va se poser et qu'on aura le droit à un joli coucher de soleil sur le viaduc. Pour débuter la journée, on doit s'occuper des choses du quotidien, c'est-à-dire qu'on doit aller faire des courses, on doit aller faire une machine et après, après on verra ce qu'on fait, mais je crois que Linda avait vu un village à aller visiter pas très loin, donc on verra si on y va tout à l'heure ou pas. Ce qu'on a acheté, bon, c'est des grosses courses hein, parce que du coup on était un peu sur la fin de ce qu'on avait. Donc du pain de mie, on a pris quelques carottes, un citron pour Julien, des champignons de Paris des bibis de chocolat parce que j'ai une idée de recette que j'aimerais bien tester, de la truite fumée pour on compte faire des wraps là prochainement, donc ça va servir à ça, un petit désodorisant pour les toilettes, des pâtes. C'est important pour Julien. Une brique de lait, des chips, des madeleines, des lardons, des wraps pour les wraps dont je parlais tout à l'heure. Du fromage râpé, c'est très important pour Julien, il y en a toujours dans le frigo. De la crème liquide, du fromage frais toujours pour les wraps, du pâté, Julien voulait absolument du pâté. Ça c'est les saucisses, d'habitude on n'en achète pas mais là elles étaient en anti-gaspi. Donc ça, les anti-gaspi, c'est très pratique quand on vit en van parce que justement, c'est des choses à consommer tout de suite et c'est moins cher. Du fromage faire burger parce qu'on compte faire les burgers parce qu'il nous reste du pain. Enfin voilà. Du fromage, toujours anti-gaspi en promo. Bah, du coup, les steaks pour les burgers. Un petit avocat pour les wraps. Et enfin, c'est bien de consommer local, donc on a pris une bière locale. Et ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est qu'on a aussi acheté la sciure pour aller chier. Pour les toilettes. Du coup, ce midi, on va se faire un petit truc à manger rapide. Et puis après, on ira se balader au village qui est juste à côté. Du coup, le village qu'on visite aujourd'hui, c'est Saint-Flour. C'est un petit village perché en haut d'un volcan. C'est très sympa. Il y a une belle cathédrale. C'était sur la route pour le spot du soir et on est tombé sur un vieux château en ruine. On a été obligé de s'arrêter parce que l'endroit est magnifique. Donc je vous ai pris quelques petits plans en drone.
qu'on se disait avec Linda, c'est que là, on a l'impression de se retrouver dans un lieu où il y a des films de chevaliers qui ont été tournés. Ça fait très chevaleresque, on va dire, comme endroit. Mais franchement, si vous passez par là, il faut s'arrêter parce que c'est magnifique. Nous voilà au spot du soir. On a encore trouvé un spot vraiment dégueu. Franchement, on s'est posé où on pouvait. Mais bon, je crois que ça vaut pas le coup. Hein. On est resté là. Du coup, le plan du soir, c'est... On a un petit barbecue. Et comme vous avez vu tout à l'heure, on a acheté des saucisses. Donc, quand on est arrivé sur le spot, j'ai dit à Linda, j'ai trop envie d'aller chercher du bois et qu'on se fasse un petit barbecue au calme avec le lac et rien que nous. Donc, je vais tout de suite partir en mission dans la forêt pour aller récupérer notre bois. Nouvelle journée. Alors ce matin, quand on est parti du spot, on a failli se retrouver bloqué parce que le chemin d'accès pour descendre, ça allait. Mais pour remonter, en fait, on ne connaît pas encore les capacités de Molly. Donc on s'est retrouvé dans un chemin, c'était un petit peu compliqué. On ne vous a rien filmé parce que je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu en stress d'essayer de remonter. Mais bon, on a réussi, c'est le principal. On sait à peu près comment réagit Molly dans les chemins en terre. Donc on va faire attention la prochaine fois. On la voit, elle est là-haut, là. Elle se repose de son grand effort de remonter la pente. Aujourd'hui, du coup, on va en profiter, il fait encore beau, de se balader autour du lac du barrage de Grandval. Et là, on a fait notre premier arrêt au niveau du cirque du Malais. On a vraiment une vue imprenable sur tout le lac. Je pensais que tu fais vrai. Non, mais je prendrai une photo après. Ah, je prendrai une photo après. On a vraiment une vue imprenable sur tout le lac. C'est super beau. Vous savez à quel point on est matrixé par les téléphones. J'étais en train de regarder la carte là et je voulais regarder un point et j'ai failli faire ça pour zoomer sur la carte. À quel point les téléphones ça nous rend dingue. En tout cas, on a bien rigolé. Mais cela dit, donc nous on est sur ce point là et on hésite parce que là, donc nous on est là. Si on remonte sur Faverolles, je sais pas comment on dit, on retombe au viaduc, on était l'autre soir. Alors, soit on repasse par là, soit on décide d'aller vers Chaudeaigg, où il y a des thermales, c'est ça? Ouais, c'est connu pour l'eau thermale, ouais. Donc on peut aller visiter par là aussi. Mais du coup, on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les gens qui sont du coin ou qui connaissent le Cantal, si vous avez des endroits à nous conseiller, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On regardera et on ira voir. Du coup, on a décidé de se diriger vers Chaudeaigg. Là, on fait une petite pause repas. On est juste à côté. On a peut-être trouvé le lieu où on allait dormir cette nuit. Donc on mange, on va aller visiter. Apparemment, il y a des sources d'eau chaude, donc on va aller voir ce que ça dit. Et puis voilà. Du coup, après manger, on a décidé d'aller se balader dans le village de Chaudeaigg, un joli petit village plutôt sympa, avec ses fontaines un peu étonnantes qui sortent de l'eau chaude, dont une à 82 degrés, un peu atypique. Et outre les fontaines, le vieux village est vraiment super sympathique. Et l'église qui surplombe, ça a de la gueule. Vu qu'on est des personnes très indécises, on a changé de spot. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on est allé au village. Et après, on a tourné un peu aux alentours et on a trouvé un spot pour pouvoir rester cette nuit et demain, parce que normalement demain il pleut, et le spot est vraiment au milieu des champs. Pour finir la journée, du coup, on a tous les deux avec Linda du travail à faire. Moi, je dois monter le vlog de cette semaine et Linda, elle fait son travail sur Instagram.
Ce matin, on avait prévu d'aller faire une petite balade juste à côté du spot où on était. Sauf que arrivé sur place, les chiens sont interdits. Donc du coup, on passe à ce qu'on avait prévu d'autre dans la journée, c'est-à-dire commencer à remonter tranquillement vers le nord du Cantal pour faire toute cette partie là-bas. On va juste quand même faire quelques petits arrêts sur la route, on va pas faire ça tout d'une traite, pour prendre des petites choses qu'on a repérées. L'avantage, vu qu'on n'est pas pressé, à chaque fois qu'on voit un point de vue, on s'arrête. Comme ça, on voit toutes les vues qu'on peut voir. Et là, on a encore un très joli point de vue. Et tout à l'heure, si tout se passe bien, on va se retrouver là-bas, en face. Juste après, on s'est arrêté au village de Sainte-Marie. Un tout petit village, super mignon et vraiment typique du Cantal. Tout à l'heure, je vous disais qu'on serait de l'autre côté de la vallée. Et on y est, voilà, on est traversé. Tout à l'heure, on était de l'autre côté, là-bas. Encore un super endroit avec une super belle vue. On s'est fait la réflexion tout à l'heure avec Linda que cette partie du Cantal, il n'y a pas énormément de choses à faire en marche, entre guillemets. Parce que tous les spots qu'on a vus pour le moment, c'était vraiment... super accessible, super facile. Donc peut-être que quand on sera un peu plus dans le centre au niveau des puits, on aura beaucoup plus de rando à faire et ça sera cool aussi. En attendant, on va retourner auprès de Molly, on va les manger parce qu'on pète la dalle et puis après on verra vers où le vent nous mène. Bon, changement de plan, du coup on a bien rejoint Molly, mais au lieu de s'arrêter pour manger, on a décidé de prendre tout de suite la route vers le spot du soir. On mangera au spot du soir et on restera sur place. Comme ça on se rapproche du nord-est du Cantal pour faire toute la partie là-haut la semaine prochaine. Bon, ça fait pas très van life, mais j'avais vraiment très très faim. Du coup, on va faire un petit arrêt nourriture. Et on est tombé sur ça. Ça y est, on a trouvé le spot du soir. Encore un endroit perdu au milieu de nulle part où on sera pas embêté par les gens. Parce que de toute façon, à part des champs, il n'y a absolument rien. On a une vue à 360 qui est magnifique. Je pense que des spots comme ça, dans le Cantal, on va encore en trouver un paquet. Parce que pour le moment, on n'a trouvé que ça. Des spots où on est peinard. Après, on n'est pas en pleine saison, donc déjà, ça aide un petit peu. Mais des champs à perte de vue et rien aux alentours, c'est franchement royal. Sur ce, on va clôturer cette semaine sur ça. Nous, on a un peu de travail à faire au niveau des montages, etc. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à t'abonner pour voir la suite de nos aventures. Et n'hésite pas à aller faire un petit saut sur notre Instagram, Molly & Pet. Allez, à la semaine prochaine, salut !